Bonjour. Ça va? Oui, et vous? Bonjour, Serge Dan, Gaëtan Delto. Bon, vous avez pensé aux écharpes à l'environnement. J'ai récupéré les écharpes. Oh, magnifique. Pour la photo, bonjour. Donc, je suis Marie Sierra. Je représente aujourd'hui l'association des parents d'élèves qui a porté le projet auprès de FNE pour pouvoir faire cette activité aujourd'hui, donc le 16 septembre. On allait sensibiliser dans toutes les écoles à l'environnement et au ramassage des déchets pour pouvoir avoir une planète de demain qui sera certainement mieux qu'aujourd'hui. Donc, moi, c'est Gaëtan Deltour, président de France Nature Environnement de Tarn-et-Garonne. Je suis très heureux de co-organiser aujourd'hui avec les associations de parents d'élèves et la mairie de Castelsarrasin le ramassage de déchets à Castelsarrasin. On est dans un super cadre là du lac de Monestier pour cette journée du World Cleanup Day, donc une journée où on retrouve quand même plus de 2000 ramassages en France, dont un à Castelsarrasin. Donc il y a eu un beau travail d'échange, que ce soit avec la mairie ou les associations de parents d'élèves, pour fédérer le plus grand nombre, pour faire une belle opération de ramassage. On verra le résultat dans quelques minutes. Dans ce Work Cleanup Day, on a réussi à fédérer pas mal de personnes, dont toutes les associations de parents d'élèves. Il y a plus de 7 écoles qui participent. Le projet a également été porté par le Conseil municipal des jeunes de Castelsarrasin. Les jeunes élus qui ont été élus il y a un an pour un mandat de 2 ans, qui présentent des projets en fonction de leurs envies pour la commune, dont l'environnement fait partie. Aujourd'hui, quand France Nature Environnement nous a proposé de s'associer à ce projet, ils ont répondu présent très rapidement. On a pu faire le tour des écoles avec les jeunes élus qui ont pu présenter à leur classe et à leur école les projets, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'enfants. On est très satisfaits. Donc quand on a proposé aux associations de parents d'élèves de s'associer à ce projet, ils ont répondu présent tout de suite. On a pu communiquer dans toutes les écoles. Donc on a l'école Louis Sicre, nous avons l'APE de Gandalou, nous avons également l'APE de Courbieu, l'APE pour nos grenouilles de l'école des Cloutiers, Marceaufort et Marie Curie. Les Margouillas pour Pierre Perret et Jules Ferry, c'est ça. Et après ça, l'école de Ducos. Et à côté de toutes ces écoles, on a un certain nombre de partenaires associatifs avec du coup Team River Clean, une association qui est spécialisée dans tout ce qui est ramassage et sensibilisation autour des déchets. On a la Fédération de pêche qui, voilà, sur un lieu comme ça, a répondu évidemment présent. On a l'association Nature Évolution, on a la ville de Castelsarrasin, on a la région Occitanie qui nous aide également sur cette opération. Et enfin, on a également l'entreprise La Fuma qui nous soutient également. Bonjour, Sylvie Bois-Géraud, donc maîtresse d'école et présidente de l'association Terrea 82 sur tisser une éducation émotionnelle, relationnelle, environnementale et artistique dans le 82. Voilà, je suis aujourd'hui présente avec l'association Survol, que je remercie beaucoup parce qu'ils viennent régulièrement commenter et filmer nos actions, notamment à l'école. Voilà, et avec l'association France Nature Environnement. Donc il a été décidé lors de cette journée du World Cleanup Day, national, mondial même, de ramasser les déchets, et j'ai sensibilisé mes élèves. Donc j'ai plusieurs familles de mon école, l'école des Cloutiers à Castelsarrasin, qui étaient présentes aujourd'hui pour ramasser les déchets autour du lac de Monestier, près de la Garonne. Voilà, donc je remercie beaucoup la présidente des parents d'élèves, Marie Sierra, qui a vraiment été très très à l'origine de toute l'organisation de ce ramassage de déchets. Voilà, donc et vraiment mes élèves ont été très très chouettes, donc nous allons continuer nos actions.